moto na lobak. Moto na gisa ranze la bazala ga toujours si manae. Vande moto na lobak. Kaza maestro autorité morale à village. Vande moto na boga kala chala nou boye chomina ngwere. Eli zuzu go boga go damoli o damoli o damoli o deni. Fabro vandano. Ola no baba mabasae. Umela langwende no. Yon avan dangay. Yves Fabregas, le métis noir, je suis un chanteur, un compositeur, un producteur, un encadreur. Naomi Silumba, Basile de Pierre Didier. Mon album Gom Manemo, c'est un album rumba déjà. En fait, dans l'album, on a chanté l'amour en globalité. Avec beaucoup de facettes de l'amour. C'est-à-dire, pour une personne qui a des problèmes, qui a son cœur brisé, il peut le réparer avec des paroles que je mets dans mes chansons. Pour des personnes qui veulent des conseils pour entretenir leur couple, c'est dans le même album, ils peuvent se retrouver. Donc, c'est un album que je fais avec... C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'amertume. Quand je faisais l'album, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées sur moi, sur Fabregas, Tatati, Fabregas, Tatati, Fabregas aujourd'hui, Fabregas demain. Et il y a eu le foot de musiciens en France, aux États-Unis. Dieu nous a fait grâce, je l'ai réalisé. Et l'album Gom est venu pour effacer tous les mauvaises cicatrices dans le cœur de mélomanes de la bonne musique, dans le cœur de mes fans, dans le cœur de villageois, c'est comme ça que je les appelle, parce que c'est maintenant une famille. On n'est plus histoire de fanatisme ou quoi que ce soit, c'est maintenant la famille, c'est les gens qui me supportent même quand je suis en bas, c'est-à-dire ils me donnent la force. Donc c'est un album que j'ai fait pour essuyer des larmes qu'ils avaient quand il nous est arrivé beaucoup de choses bizarres. Je chantais pour eux, histoire de gommer, effacer tout ce qui s'est mal passé. Cet album, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de dire ça. On n'a pas l'habitude de dire la chanson préférée parce que... Mais vraiment, dans cet album, j'ai vraiment pas de préférence. C'est-à-dire que toutes les chansons sont tellement bien faites, on va dire. C'est vrai que j'ai des préférences, mais je préfère tout, en fait. Par contre, dans le deuxième volume, j'ai un coup de foudre. C'est la chanson que je fais pour ma femme. C'est évident. Mon histoire. Il y en a eu beaucoup, mais bon, déjà, bonne expérience, c'est l'état d'esprit que j'avais quand j'ai réalisé cet album. Malgré tout ce qui m'était arrivé, mais je ne prenais pas ça en compte. Dans ma tête, je me disais, je dois chanter pour faire plaisir à mes fans. Je dois leur montrer que je reste le maître. Les gens qui m'ont peut-être fui en France, qui m'ont fui aux États-Unis, c'est des gens à qui j'étais avec, que je travaillais avec, c'est des gens que j'aime, c'est des gens qu'on partage beaucoup de choses, qui me voient tous les jours, que je vois tous les jours. Mais mes fans m'ont prouvé qu'ils m'aiment au-delà de tout. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux te dire en face que je préfère perdre toute l'équipe et rester encore avec mes fans. Parce qu'avec les fans, j'ai pu reconstruire l'équipe. Là, on a reconstruit l'équipe avec des fans. J'ai pas dit que les gens qui travaillent avec moi ne sont pas importants. Mais même pour eux, mes fans sont précieux. Et j'avais mon opération, je me suis fait opérer une semaine avant de finir mon album. Le docteur m'a dit, Fabregas, tu dois rester à la maison pendant un mois. Tu chantes pas, tu danses pas. Deux, trois jours après, j'appelle mon assistant, je dis, écoute, je vais prendre mon vol pour aller finir le studio. Et je me rappelle d'une anecdote, Michel Basse, qui a coordonné le projet, qui était directeur artistique du projet. Me donner les tasses de thé. Les tasses de thé, souvent quand je chantais, pour essayer de traiter un peu la voix. Il y a des morceaux qu'on a posés en plein hiver, c'est compliqué. Donc je me suis brûlé la langue deux, trois fois même. C'est compliqué, mais bon, tellement je tenais à finir cet album, Dieu nous a aidés. Je leur demanderai tout simplement de consommer. C'est de la nouvelle collection de la musique congolaise. C'est vrai que c'est de la rumba, mais on l'a fait d'une manière aussi exceptionnelle. C'est maintenant la rumba symphonique. Dans l'album, là, il y a les rumbas symphoniques qui dominent. C'est-à-dire, tu vois, la symphonie,
dans l'église kimbanguiste catholique, parce que moi je suis catholique à la base. J'ai ramené la musique catholique là. Il y a un endroit où je chante. Il a ngayaba fiti, et kausatinze kabonera. Ouais, donc dans Menace. Tu sens la présence de la symphonie, il y a la présence symphonique dans la rumba. On a essayé d'apporter. Tout ce que je leur demanderai, c'est de consommer, c'est d'aller streamer, d'aller consommer. Je remercie beaucoup Because Music, et je remercie mon assistant, Joski Gansongo, l'assistant de l'âme. Et je remercie toute l'équipe qui ont travaillé avec moi. Et vraiment, je suis très, 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 très heureux, très content du résultat. Je demanderai à mes fans et à tous les mélomanes de la bonne musique de consommer. C'est de la bonne musique, c'est de la nouvelle collection musique congolaise. C'est vrai que c'est Fabregas, mais c'est quand même nouveau. Et dans mon nouveau générique, Gom, j'ai essayé de partir un peu d'une autre manière. C'est-à-dire, moi, souvent dans mes génériques, je mets en valeur le piano. Piano. C'est comme ça, moi. Mais cette fois-ci, je suis revenu quand même à... Je les soliste. En tant qu'un enfant de Wenge, je reviens à l'époque des Yamado. Solo. Non, j'ai vraiment... J'essaie de révolter un peu ma partie Wenge. Et Wenge, c'est la base, on ne peut pas se voiler la face. Et je remercie Werason pour cette formation. Et sachez qu'on est ensemble, on tient bon, on continue de donner de la bonne musique pour divertir notre pays. Je vous remercie.